Et le match qui se lance, les amis, c'est parti. Alors, du côté de From the Abyss, on a donc... Oh, on a donc un Enu R, ok. On a donc un Enu R. Ok, on a Samodas en Phalanster, très bien. On joue en plus avec un cadre R sur cet Enu. Et on va directement, avec ce Sadie, pouvoir prendre des zones. Infection dès le départ, forcément, ce Tréant qui est très bien avec le Tremblement, c'est nickel. Alors cet Oza, on a un Oza Terre apparemment, un Oza Terre, on a 12 réfixes, ouais. Et ce Sadida, il a tapé très fort au Tremblement, il a tapé très très fort, on a un Cubis, donc on a du retrait PM là-dessus. Bah s'il a tapé fort au Tremblement, ça doit être un Sadi Feu. Ouais, Feu O à mon avis, ouais. Être multi, c'est ouais. Possible. C'est ça, et du côté alors de Band of the Hawk, on a mis déjà beaucoup d'esquive PM hein, sur ces persos, on peut le voir. On a peur d'être gêné, on avait peur justement de cette Ténurette dont on parlait. Lenny, hein, Lenny. On a quand même un gros investissement en esquive PM, hein. De toute façon c'est ce qu'il fallait hein, pour avancer. Mais ouais, on voit que même sur Lenny, on a 137 d'esquive PM, on veut pas être gêné. Hein. Complètement. Et on a un Hypermage R, en Illisael. Est-ce qu'on joue en Crocobur là-dessus? On joue en Crocobur, très bien. On joue également en Crocobur sur Lugi. Oh, Lugi, qu'est-ce que c'est que cette Lugi? Qu'est-ce que c'est que cette Lugi? On a 15 réflexes R, oulala. Ouais, ça a l'air d'être un Ogiter, ça, à mon avis. Hein. Ogiter en croco, ouais, ça se peut, hein, ça va tanker de toute façon. Je suis assez surpris par les modes, hein, parce qu'on voit le permage, il a quand même 116 d'esquive PM, 116 d'esquive PA, 101 d'esquive PM. Ouais. Bah, il va jouer tranquille. Hein. Complètement, là, c'est super, comme tu disais, 116, oh là là, c'est énorme, complètement. Et on a un Enni aussi en bouclier d'Illisael, ok. Bah, est-ce qu'il serait pas en full Illisael pour justement avoir ses petites... Enfin, c'est surtout pour avoir l'esquive PM, je pense, hein, sur l'Illisael. Oui, je pense aussi. Hein. Allez, cette super qui va directement faire une création pour pouvoir nous ramener ce Sadida. C'est pas mal du tout, là, ça l'expose. Logina, voilà, il faut pas perdre de temps, hein, de toute façon. Est-ce qu'il va le libérer pour le ramener dans son camp? Ça peut être une bonne solution. Ce serait très bien. Ce serait très très bien pour Lugi. Parce que là, l'Enu peut pas faire grand-chose pour pouvoir... Non, on va pas le libérer. Okay. On le libère pas. Oh, on va essayer de juste le taper. Et en plus, on fait du red PA, moins 3 PA de retirer là-dessus. Et évidemment, on a 15 d'esquive sur le Sadida. Là, Lenny, s'il a un petit peu de red, en vrai, on a combien d'esquive PA? On n'a pas beaucoup d'esquive. Hein. Un petit silence ou des mots de fracassant, ça peut être sympa. Ok. Hop, ce petit Enu qui va aller sauver son Sadiv, on espère qu'il va pouvoir faire quelque chose en tout cas. Hop, une pelle, on va sûrement aller pousser cette Ushinak qui nous gêne et qui va sûrement rattraper le Sadida. Pelle Axel? Et voilà, stratabattement, on en a mis de l'esquive, hein, évidemment, c'était sûr. Ah, boîte à outils, ouais. Ok, ouais. On pousse ce petit Ujinak. Ujinak, il peut quand même aller sur le Sadida, hein. Donc est-ce que ce move était worse? Je suis pas convaincu. On décide quand même de clear l'arbre. Voilà, c'est bien Ujiter, hein. On a eu l'info, on va directement aller placer l'érosion. La grande graine qui est placée, je rappelle, 30% d'érosion. On va le ramener avec un Calcanus, on a encore 4 PA, on va pouvoir lui faire... Oh là là, ça fait très très mal hein, quand même. Après, ça, c'est d'actif 21%. C'est peu. Alors là, le Sadi, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Hein. Là, il est dans le camp adverse, il est pas du côté de son équipe. Ça va être compliqué de trouver une solution pour repartir. En plus, les Neripsa qui jouent juste après, donc on peut debuff à chaque fois l'état infecté. Donc là, tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Lenny qui a double debuff. Donc ça, c'est vraiment une bonne initiative pour Band of the Hawk. On va quand même essayer de se ramener là-bas, on a encore 8 PA. Voilà, on va faire une inoculation pour pouvoir infecter. Et on place la malée vaudou quand même. C'est pas il mal faut parce qu'on a de tout toute monde. Façon. Pour le moins 4 sur le permage, ça fait mal. Hein. Avec les 101 d'esquive, c'est clair que ça pique. Ouais, Lenny qui a pas tant perdu que ça, hein. Il a toujours 6 PM, il peut toujours aller sur ce Sadida. Après, je te cache pas que moi j'ai un peu peur pour le Sadida qui va sûrement se faire coop à tous les tours. Ça va être impossible pour lui de retourner dans sa team. C'est donc, clair. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Hein. Sur c'est cette clair. Partie. Et en plus de ça, là, il est érodé, il est sous gangrène, donc il va falloir le debuff. On a le drag quand même qui peut debuff ça, on a également les nutrophes avec les pelles fantômes, et là voilà, on va taper, on tape plutôt bien hein, sur 38% de résistance. Les mots déroutants font vraiment mal. Hein. Là, on met pas mal de pression là, dès le départ du côté de From the Abyss, du côté de Band of the Hawk, pardon. Et là, attention, on a quand même la piqûre de Samodas, je rappelle que c'est un Oza Terre, on va pouvoir mettre un bouffe-tout. Albino, c'est ça tape très fort. Oh là là, c'est super qui proc en plus à Malé Voodoo. C'est pas mal du coup. De toute façon, c'est toute la compo de From the Abyss. Hein. Il va falloir la proc au maximum cette Malé Voodoo pour que l'HP descende le plus vite possible. Bah, c'est ça. On a plus le choix. Ça.
Et c'est ce qu'on a voulu faire. On a l'Enu R qui va justement pouvoir faire durette avec abattement, qui passe avec la Malle et Vaudou. Et en plus, on a l'Osater qui, lui, avec les bouffetous, eh ben, ils vont pouvoir faire durette et taper très fort là-dessus. Donc c'est et pas on mal. On décide de gêner, hein, cette peur mage, histoire d'éviter quand même que notre Sadie parte trop loin. C'est 3 clair. PM, 13 PA. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Certes, on n'a pas d'érosion sur From the Abyss, mais regarde cette super mage. Là, on ah, est tour 2. Descend très très vite, hein, quand même. 2300 HP, on a placé la mallée du Sadi, et on a encore plein de cooldowns défensifs. Après, il faut quand même faire attention, hein, parce que cet Ouginac, là, il me fait un peu peur, hein, dans le fond. Il a beaucoup beaucoup de PM. Ouais. On peut mettre un full tour sur le Sadida. Le Sadida qui va se faire ramener, encore une fois, hein, il est directement au cac de l'Ouginac. C'est très compliqué, hein, pour From the Abyss, là. Ouais, c'est très bien joué. En plus de ça, on peut pas aller poser une petite musette avec, avec l'Enu. Est-ce que là, on continuerait pas à taper là-dessus parce qu'on a l'érosion? Encore une fois, voilà. Ah, de toute façon, il faut maintenir le focus, hein, qu'on s'est donné côté Band of the Hawk. Il faut maintenir ce focus Sadida, même si bah, le permage fait pas si mal que ça, je trouve. Ah non, parce dans, que... Dans le fond, mais il garde son utilité de placement, en fait. Exactement, et puis bah là, même si on sait Boubou LM, on va prendre assez cher quand même sur l'Upper. Et ouais, la Corrupte qui est lâchée dès le tour 2. Ah, on est obligé, hein, sinon le Sadida va sûrement mourir, je pense. Hein. Et on a raison, alors je pense qu'on va devoir jouer assez défensif, peut-être faire une férocité sur l'Upper Mage, essayer de le proc une fois. Parce que là, attention quand même à cet Upper, ça peut descendre très vite. On a encore le Bouffetou Albinos, là, qui a perdu aucun point de vie. Alors on a les deux Bouffetous, hein, de toute façon, qui sont... Ouais. Ils sont toujours en bonne position. Je pense que Lossa va essayer quand même d'avancer son Bouffetou mélanique qui peut pas forcément jouer, mis à part attirer le Sadida. Mais on a cette upper mage qui est pas si bien quand même. Faut qu'il fasse très attention à lui parce que là, le Sadi va pouvoir rejouer. Il a 2200 HP. Bon, certes, il y a la Pritek qui va proc, mais on n'est pas si bien côté upper mage non plus. Hein. On n'est pas si bien, donc voilà, comme je disais, hein, on est obligé de faire une férocité, de la proc une fois. Et on replace quand même la gangrène. Évidemment, ça continue à mettre de la pression. On a quand même 14 points sur ce Sadida. L'avantage de cet échange de position, c'est qu'on tacle aussi le Sadida, hein, qui n'était pas forcément taclé par l'Ouginac. Ouais. Donc il pouvait partir vers ce haut, et là, bah, il est totalement condamné à rester ici. C'est clair. En vrai, la Corrupte est très très bien, parce que vu les dégâts qu'ils ont fait dès le départ, ça permet de tempo, et c'est là-dessus qu'ils vont prendre l'avantage. On va pouvoir en plus réinfecter avec un poison para sur cette super match, c'est toujours intéressant de le faire. Attention quand même à la zone silence, on pourrait peut-être prendre un... Peut-être prendre un silence là-dessus. Le Sadi vraiment qui n'arrive pas à retirer ses PM. Ils ont vraiment trop de PM, BOTH, trop d'esquive. On voit que sur le permage ça marche un peu, mais sur le Ginac il lui reste 5 PM. Il en est à 3 de rage, il peut gagner 3 PM. C'est compliqué là. Hein. C'est clair. Et il va taper, je pense, cet Enir. Il va peut-être aller se placer au cac. Mot sacrificiel, ça veut dire pas mot de silence. Ok. On va booster les soins, hein. Ça booste les soins, moi, sacrificiel. Ouais, c'est très rare, hein. C'est très très rare, mais c'est assez rentable, hein, parce que vous voyez que le sélectif à 437, c'est très bien joué, hein. Franchement, c'est bien vu, parce que, franchement, c'est bien vu, on n'a pas d'érosion en face, forcément, on peut se permettre de jouer avec ça, et là, vous, là tu vois que l'hypermage, bah, il est remonté direct avec double sélect, ça fait 800 HP en plus, pour 6 PM, ouais, c'est vraiment pas mal. Hein, l'hypermage est très très vite remonté, hein, en Vita, après... Faut attention. Quand même faire attention. Ouais. Parce que là, il est très vite remonté, mais ça peut aussi très vite redescendre. Exactement. Alors on a le Bouffetou Albinos en plus, il est toujours présent. On va replacer le Mélanique. Ouais, on va pouvoir faire un bon tour là, hein, du côté de l'Osamo d'Aster. On va l'attirer, on va le taper, et puis on va vraiment continuer ce focus. Hein, de toute façon, hop, il va repasser, à mon avis, dans les. Ce Bouffetou Albinos qui est toujours en piqûre. Hein, donc. Ouais. Oh, et le moins 2 là-dessus, évidemment. Ah, là, ça fait oh là mal. Là. C'est punitif. Hein, le moins 2 sur 96 d'esquive, on le rappelle. C'est clair. Et c'est pris quand même moins 20. Hein. Moins 20 d'esquive avec le crachat, mais bon. Ça fait toujours. ça fait toujours plaisir. On décide plaisir. De debuff cette upper mage. Ouais, on debuff pas mal de choses. Boubou LM déjà. C'est pas mal. Mais on debuff aussi l'état infecté. Hein, donc il va falloir le replacer ouais, pour c'est pas ça longtemps. Le problème. On débuffe un tour d'infecté, après on est poison para, donc en vrai ça va. On proc la férocité avec la polarité, donc ça c'est cool. Le combo est pas mal. On va continuer de taper Sadida, de toute façon qui est full érodé. Faut continuer, ils ont raison. Oh, et on lui fait perdre encore des PA, moins 3. Ouais, c'est et bien. Et on s'en va au fond de la map, hein. C'est bien joué. Ok, et on s'est débuff en plus avec une déflag après, très bien. Vraiment les polarités qui font...
qui font vraiment le travail hein, sur cette map. On a un Upper Mage qui est super mobile, il est vraiment passé du côté From the Abyss à son côté, c'est vraiment impressionnant. Bah, on le disait sur cette map, franchement l'Upper Air est souvent joué parce que c'est très intéressant pour pouvoir se déplacer. Alors on va placer la musette, c'est pas mal là pour les nus, voilà on a une bonne zone avec la musette, donc ça c'est pas mal. La musette qui va s'enfuir, hein, c'est normal. On l'a quand même placé sur le Bouffetou Albinos, c'est-à-dire quand même que le Bouffetou Albinos va quand même prendre des dommages assez rapidement. Après, c'est quand même dans l'intérêt, je pense, de From the Abyss de sacrifier ce Bouffetou pour maintenir en vie ce Sadida. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette pelle? Est-ce qu'on va décider d'aller tacler Lenny? Tacler, c'est un bien grand mot. Non, on décide de reculer, on la garde en vie quand même. Allez, qu'est-ce qu'on fait là avec cet Ouji? Ok, on va directement se transformer. Ok, on va taper. On passe un état de rage et là, on va tout mettre sur cette vie-là, hein, de toute façon. Même si à la musette, attention quand même, parce que là, on a une très bonne zone musette, voilà, sur le Bouffetou et en plus sur les nus, donc. Ouais, ça tape ça quand tape même fort, plutôt bien. Hein, quand même, hein. Ouais. Ouais, ça tape vraiment bien. Et en la plus, crocobure surtout. Beaucoup de shield, hein. Ah, c'est Sadida qui est vraiment pas bien, hein, 2400 HP max là. Ouais, c'est ça en fait, c'est là, on a un Upper qui, ok, il a 2300 HP, mais en point de vie max, il est à 4100. Donc en vrai, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, là, il s'est debuffé juste avant avec une déflag, donc là, il est plus infecté. Et là, Sadida, voilà, il va être obligé de passer sur les autres là. On va peut-être remettre une folle, voilà, pas mal. Et surtout, ce qui va être compliqué, c'est qu'on a vraiment plus de pre-tech là, hein, c'est le tour. Ouais. Il y a plus de shield qui va proc en passif. Ah, ça va être compliqué de maintenir en vie Sadida là. Ah, ça va pas être évident là. On va voir un petit peu ce qui va se passer, surtout que la Lenny peut encore mettre une pression. Peut-être éliminer cette folle. Peut-être soigner aussi cette super. On a beaucoup de choses à faire là pour Lenny là. On a 11 PA, on a pas mal de choses à faire. Alors, on est obligé hein, de toute façon de lancer cette folle pour infecter cette upper mage, puisque oui. On le rappelle, c'est le focus de toute façon. Donc il va quand même falloir continuer. Est-ce que cette ennemie n'irait pas full heal cet upper mage? Parce que j'aimerais bien voir les déroutants avec le mot sacrificiel. Je pense que ça doit bien heal. Ah, la zone est sympa. Ça clean pas mal de choses en vrai de vrai. La zone est très très sympa, effectivement. On peut clean une gonflable avec une flammiche, mais après, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va décider de le faire hein, pour pas. Pour enlever les PM. Ne nous fais pas mentir, s'il te plaît, diffuse. Voilà. On clean la gonflable. Et on décide de rester en plein milieu. On clean le Bouffetou. Ouais, c'est bien. C'est pas bien mal. Joué, hein. Ah, mais par contre, en faisant ça, voilà, l'Upper Mage, il est pas très bien. Alors, certes, là, l'Osamodas, il a plus que son Bouffetou mélanique. Il peut quand même rusher. Le Sadida, il a quoi d'infecté? La folle est toujours en vie, donc ça aussi, c'est un petit problème. On va falloir s'en occuper. Et pendant ce temps-là, bah, c'est vrai que voilà, l'Upper Mage, même s'il est à l'autre bout de la map, là, voilà, Loza, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut peut-être gêner cette Ouji? Là, Loza, je pense qu'il a plus trop le choix de taper l'Ujinak, hein, de toute façon, puisque ça va être compliqué de le gêner, comme il peut tout détacler dans cet état. Donc, là, faut mettre des entités devant ou derrière pour qu'il puisse, pour qu'il ne puisse pas taper Sadida. Hein. Il va falloir lancer les shields sur Sadida, il va falloir claquer tous ses cooldowns défensifs de toute façon. Le raid, en plus, c'est pas mal sur l'Ouji. On a 13 d'esquive, donc forcément, ça peut passer assez souvent. On va la tirer. Est-ce que ce serait pas un tour il faut retraite, là? Je pense que si le permage s'approche un peu trop, il va y avoir une retraite qui va tout reclaquer. Hein. Un permage très mobile. Hein. Bah, il est tellement mobile que pour moi, il peut tout à fait retourner dans la mêlée et repartir. Après, je pense qu'il va quand même décider de clear la folle. Ok, non. On avait directement la manif, ouais, sur... On y va, hein. De toute façon, il est en crocobure, il a raison d'aller au pas. Encore, crocobure, bouclier, Lizel. Il a raison. Et on est encore érodé en plus sur ce Sadida, donc forcément, c'est pas mal. Lance solaire pour pouvoir prendre la zone crocobure, c'est pas mal pour le heal, ça. On va taper, ouais, je rappelle qu'on est encore sous musette. Hein. Donc, c'est le pas moins 3 à chaque tour qui fait vraiment mal. Hein. Ouais. Et les PV de cette deck descendent à une vitesse quand même malgré la musette. On a la musette toujours, mais il se retrouve à 1400 HP. Quand il va sortir de ce cooldown défensif, ça va faire très mal. Hein. Et tu vois, le heal qui est vraiment pas mal. Hein. En plus, on proc l'émeraude là-dessus. Est-ce qu'on retraite là-dessus? Ouais, on retraite quand même. On décide quand même de retraite. Ok. Pourquoi pas? Mais alors là, on a... Et on décide de se mettre devant le Sadida, c'est bien joué quand même. Après, il faut faire attention. On est toujours sous la musette. On a peut-être c'est été... on a peut-être été... Hop, non, c'est bon. Bah, du coup, on va taper sur les nus, hein, tout simplement. Ouais, comme tu dis, on est encore sous la musette, donc... On tape sur le Sadida ou qu'on tape sur les nitrophes, c'est ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Encore 7 PA, c'est parti.
Attention, donc l'Ossa il a lancé sa piqûre tour 2, donc on récupère tour 6, et voilà, hein, ça tape très fort les dogs là directement. Ça dit là qu'il tombe à 638 HP, attention là-dessus. 600 HP, il est totalement bloqué, hein. Il peut plus bouger, il y a la retraite, ah là ouais, ça c'est devient dur là. vraiment compliqué. Là c'est très compliqué pour From the Abyss. On va replacer la Malévoodoo quand même, évidemment on a tout d'infecté puisque cette folle, je le rappelle, est encore en vie. Et mine de rien, les PV de cette super mage qui sont remontés, hein. Il est remonté à 3000 HP avec 400 de bouclier. Ouais. Lui, plus tant en difficulté que ça, hein. L'émeraude juste avant qui a 400. En plus, on avait une zone crocobure. On va quand même Et on s'harmonie. décide d'harmonie, on a raison, hein, de toute façon. Ouais. Complètement. On a pas mal d'invoques là-dessus. Voilà une sacrifiée, une surpuissante et une folle. On va du coup garder cette sacrifiée en vie. C'est pas mal la surpuis. Bon, là, évidemment, on est sous retraite. Donc le raid PM, on s'en fiche un petit peu. On va quand même le faire pour le proc Malais. C'est toujours pas mal. Voilà, on est obligé de claquer sûrement les derniers dommages de ce Sadida. Ouais, parce que là en plus on a des zones sélectives là. Des zones Attention. sélectives, mais en fin de zone, hein, ça tape quand même. Mais par contre, Ouais. sur toutes les poupées, bah si, en fait, ça va vraiment taper le Sadida. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on a le mieux à faire. Oh, foudroiement, incroyable. On l'attendait ce sort, il nous manquait. Est-ce que Complètement. pour toi c'était une bonne décision comme ça de rassembler toutes ces musettes à côté de Lenny? Donc oui, ça gâche la ligne de vue, mais concrètement, bah, ça dit qu'il risque de mourir, hein. En plus, il perd des Bah, poupées, il va perdre de la tankiness. c'est Ça commence ça. à être compliqué là. Et là, j'ai bien l'impression qu'en fait, l'Osamodas, il peut pas vraiment le sauver. Il peut pas faire de tandem shield là-dessus. Et même, je pense, un tandem shield, ça passerait pas. On a quoi? On a 172 HP. Est-ce qu'on peut faire. Ouais, est-ce qu'on peut peut-être faire du placement? On a quoi comme état? Ah, là, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. On n'a pas d'état. Ah bah là, je ne vois pas comment on peut sauver ce Sadida du Ah, tour au c'est peur dur. mage. Hein. Le peur mage qui a son corps à Très, corps, très qui dur. va passer sur le Sadida pour ensuite passer sur les Nutrophes. Pour moi, c'est vraiment compliqué cette histoire. Ça me paraît vraiment compliqué. Ah, ok, on va mettre un cœur du dragon quand même, histoire de faire du heal. Et on va quand même taper, on va essayer de soigner un petit peu, voir si ça passe. Mais le problème, c'est que là, on a plus que deux poupées, on a juste une surpuissante et une folle. Attention quand même à Lugie, hein. Lugie qui descend un petit peu, on a 2300 HP. Ah, logique, descend vite, mais on Hein. Ouais, rappelle qu'on est attention. en mot sacrificiel, hein, quand même, qui peut très Ouais. très vite remonter les HP de cette Ouginak. Exactement. Est-ce que ça passe? On a 13 PA sur l'UPR. Allez. Oh, Et je oui, hein, pense je que pense que ça ça va passe, passer. hein. Ouais. On a 193 HP, la 9 surpuis qui vient de PA, je pense tuer. que c'est terminé, hein, pour ce Sadida. Est-ce qu'on va décider de jauger ces dégâts? Ouais, il est mort la crocobure. On va continuer sur les nitrophes. Non, on décide de sécure le kill quand même. Ouais, on prend quand même 600 de shield là-dessus. Hein. C'est On pas mal. éloigne cette nitrophe du jeu, hein. Donc il ne peut pas taper sur le Jinak. J'avais pas vu, mais on joue en tacheté hein, sur les Nerypsa. Je pense que le tacheté, c'est surtout pour. Parce que nos deux autres Ouais. persos, Jinak et pas mal, doivent être en Dorigami, exactement. Dorigami, c'est ça. Ouais. Et ouais, l'UPR, du coup, là, qui est complètement gêné. On peut pas taper sur cette UPR. On va pouvoir mettre un coffre. Pas faire grand chose, hein. Oh là On là. va juste tacler cette Eniripsa, mais. Assez compliqué là. Je pense que le 2v3 Là, pesa contre il nous. reste 11 PA Steny, hein, quand même, ce lapin qui n'est pas inquiété depuis le début. Alors attention quand même, on va récupérer la piqûre, la tour 6. Donc peut-être mettre une férocité sur l'Ouginec. On va décider de pousser cet Ouginak, hein. Sortir un peu, qu'il puisse pas aller sur cette Ossa. Et on Oh là décide de là. clear le dragon. Il a raison, hein, de Voilà. toute façon, il faut clear les invoques. Ça lui permet de remonter ses états de rage et de tanker des dommages avec son Molosse. Et 200 de shield en plus, hein. C'est toujours ça de prix en vrai. Est-ce qu'on n'irait pas proc les 200 de shield de l'émeraude sur l'Osamodas? Pense que si, je pense que si. Peut-être se mettre en deux états de rage aussi. Ah, ok. On va clear les bouffetous. Ça peut être une bonne solution aussi, hein. Ce bouffetou noir qui quand même nous embête un peu depuis le début, on décide de faire un full clear. Ouais, c'est pas mal en vrai. Ça rajoute Proc encore du 600 de shield, shield. hein, il a raison, hein, de toute Ouais. façon. Oh, 2000 HP, deux états de rage. On a la piqûre sur l'Oza. Pense pas que Là, ça c'est passe quand Teni qui même. va se libérer. On va aller heal, hein, cet Ouginak. On a raison. Hein. Il faut pas non plus sous-coter l'Ozater. Et voilà, hein, le heal qui passe, c'est très bien. On n'a pas d'érosion de ce côté-là. Donc là, on est vraiment, vraiment bien là pour Band of the Hawk.
On redonne des PA à ce Uppermage. Aïe, 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 l'Uppermage qui va quand même continuer de taper, faire son placement. On a bien vu, hein, Lennux s'est fait totalement corrupt avec cette retraite. Ouais, complètement. Allez, on a la piqûre. C'est parti. De toute quand façon, même, je pense qu'il faut tout donner. Tour, hein. Ouais. Oh, ok, on va passer sur... Lenny, peut-être. Lenny qui a 3300 HP. Hein. Tous les persos sont à 3300 HP. Et on passe sur Lenny, hein, définitivement. La piqûre. Ça va taper, hein. Ah. On n'a pas eu le temps de se décaler pour le Samodos. Je pense que c'était un fail plutôt, ça. Aïe, 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 terrible. C'est terrible. Et ça et abandonne. On abandonne sur ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Bien aïe. Joué. À Band of the Hawk pour cette première victoire 1-0. Un beau match. Un beau match, effectivement.